Hey everyone, welcome to Digging Deeper. This week, really special edition. It's summer solstice, we're having a party. It's Growers & Co. Launch Magazine edition number 4. All right, so we're with Melanie from Growers & Co. If you've been following, you remember Melanie. Yes. And now we're launching Growers number 4. Yes. Do you want to tell us about it? Sure. So this edition, what we did is we called it a growing resistance. So it's all about people essentially who are really changing the way that people are defining what growing is. We traveled to Fogo Island to really discover how that island is really being sustainable. You have a lot of special characters that are featured. So this is Spicy Mushta. So Alessandro is actually in the UK. He's beautiful. Inspiring people to really kind of grow in their backyards. And we also interviewed some great small-scale farmers. So this is Jean-Philippe Vézina, who has Jardin Lacou here in Quebec. Yeah. Beautiful farmer. Beautiful farmer, beautiful farm. We took a deep dive into different types of growers, which is nice. And tonight we're also featuring videos that growers made about a very special person that painted the cover of the magazine, Alex Lheureux. Yes. We're gonna feature this video, so check this out. Growers & Co., the mandate, the mission is putting into light people that are doing amazing stuff and inspiring others to start growing, whether it's in your backyard or starting a farm. Check it out. Oui, je suis un petit peu extrême. Puis les gens qui me connaissent le savent que je suis all in en n'importe quoi que je vais faire. Alex, c'est le rêveur. Moi, j'ai les pieds sur terre. Mais là, je le laisse rêver parce que je pense que son rêve devient quelque chose de grand, peut-être un peu trop vite. He's not lazy, very energetic, he's very smart, and he really wants to make this go. He planted a garden in August and we had a market on the 1st of October. Like, so he's done his homework and everybody's just impressed. Keep on talking circle. Mon nom c'est Alexandre Lheureux. Ma première carrière, vraie carrière, j'ai été policier dans le GRC pour 12 ans. Puis maintenant, je suis jardinier maraîcher à Hanwell, New Brunswick, full time. Qui a écrit? Certainement pas moi. J'ai été athlète professionnel dans la course pendant plusieurs années, puis c'était vraiment ma vie, ça, avant. Depuis que j'ai 12 ans, je voulais faire les Olympiques. Je venais de gagner la course devant des milliers de personnes. J'ai été aux Jeux du Canada, j'ai gagné une médaille de bronze. Puis après ça, ben on était en Floride, j'étais arrivé premier, j'étais Florida State Champion 5 fois de suite. Puis en 2007, juste avant les Olympic Trials, je m'ai déchiré le talon d'Achille. Puis ma carrière, c'était fini. Puis une année, je me souviendrai toujours, mon père m'appelle. Il me dit « Alex, j'ai une job pour toi, la GRC ». J'ai fait une carrière de 12 ans dans la GRC. Puis être artiste judiciaire dans la GRC, se faire des porteurs robots, où est-ce que il y a un crime qui s'est passé ou quelque chose, un individu inconnu. Puis on a un témoin qui est capable de retirer des images de sa tête. On va faire une petite entrevue, puis après ça, ils vont me décrire qu'est-ce que la personne ressentait d'après leur mémoire. T'sais, dans la vie, tu prends des détours que tu pensais pas prendre. On est venu ici avec l'idée qu'Alex allait finir sa carrière avec la GRC. À 35 ans de service, il va prendre sa retraite. Puis, à 12 ans de service, il a pris sa retraite.
j'étais vraiment en amour avec ma job, là. Je faisais des bonnes enquêtes, j'aidais les gens. Quand j'ai perdu ma section, ça m'a vraiment fait de la peine. Puis ça, ça a vraiment détruit ma santé mentale. T'sais, j'ai été sans abri, j'ai eu de la misère dans la vie. J'ai pensé proche de mourir une couple de fois, là, mais ça, là, j'ai jamais vécu quelque chose comme la dépression. J'étais misérable, pas juste pour moi, mais pour ma famille aussi. T'sais, ma femme, elle a souffert énormément de me voir agir comme je le faisais. T'sais, j'étais vraiment pas du monde. Puis j'étais pas un bon papa à mes enfants. T'as parlé de ça? C'est encore là. De voir la personne que t'aimes le plus au monde souffrir, mais de pas pouvoir rien faire. Alex, qui est fort, qui est fonceur, qui avait plus d'ambition, il avait plus rien. Quand que Marie s'est arrivée avec le livre à Jean-Martin, le jardinier maraîcher, elle l'avait commandé en ligne, puis elle me l'a mis sur ses genoux. J'étais dans ma petite chaise, j'étais en colère, j'étais enragé, j'étais triste. J'ai commencé à lire le livre, puis je l'ai lu en très peu de temps. Puis c'est là que ça m'a vraiment... C'était la switch pour moi. OK, change ta vie. À cette heure, je réalise que tout arrive pour une raison. T'sais, c'est cliché de dire ça, mais le fait que j'ai embolé ma section, c'était la meilleure affaire qui a pu arriver dans ma vie parce que je ne serais jamais devenu un jardinier maraîcher aujourd'hui. So this is it for this week's episode. I'm so touched when I see this video. It's the second time that I watch it. And for anyone that knows what I'm about and what I care for, you know, small-scale farming is changing the world. And if I can be a part of people's adventure in that way, it's really touching for me. So anyway, Alex, if you're seeing this, I just want to tell you that I'm really inspired by your story. And this is beautiful, man. Keep growing spiritually and keep growing in the field. I hope everyone's well. I'll see you next week for another episode of Digging Deeper. Till then, amigos.